Voilà Jésus. Ok. Après le temps et le moment de prière et l'exhortation et le temps prophétique qui a été conduit par notre père une fois à Côte d'Ivoire, il y a eu que le Seigneur a fait beaucoup de choses, gloire à Jésus. Et il a ouvert les yeux de sa servante qui ne peut pas garder le témoignage de ce que s'est passé au moment où ce culte était en train de battre son plein, surtout au niveau de la prière. Donc, nous allons l'inviter à venir donner le témoignage, selon qu'il est écrit. Le sang fait partie du témoignage. J'ai enlevé les yeux là. Shalom, shalom, peuple de Dieu. De Bartimée. Le Seigneur. J'ai enlevé les yeux là. Donc c'est la sœur Naomi de Jésus. Une intercesseuse pour venir. À côté. Voilà, Abigail vient. Il faut dire que à Jésus revient, comme papa l'a dit. Il y a Jésus ici. Il y a Jésus ici. Et chaque culte est spécial. Le culte d'aujourd'hui, le culte du dimanche passé, ce ne sont pas les mêmes cultes. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres églises. Dans les autres églises où il y a une feuille de route qui est déjà écrite. Ici, c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Alléluia. Et ce matin, quand nous sommes arrivés dans la prison de l'Éternel, quand le moment de l'adoration a commencé et qu'on a commencé à donner des chants, des cantiques d'adoration à l'Éternel, j'étais juste sur la bâche des chants. Et le Saint-Esprit m'a dit, dispose-toi. Et je me suis disposé. Et voici ce que j'ai vu. Vraiment. Sois attentif. Quand on était en train d'adorer le Seigneur avec les chants, c'est comme c'était un bouclier. Les anges de l'Éternel sont descendus. Nombreux. Vous voyez dans les films, quand on regarde les films de guerre, et quand l'ennemi est en face, et il y a un autre camp qui est ici, et le chef dit de placer les boucliers des soldats là. Il le place de telle sorte que ça fait comme une couverture. C'est ça. Quand on tire, ça ne rentre pas. Quand on tire, ça ne rentre pas. C'est cette couverture-là que j'ai vue au-dessus de tous les lieux qui étaient ici. Alléluia! Jésus! Jésus! C'était encore plus extraordinaire. La couverture était couverture sur couverture sur couverture sur couverture. Alléluia! Et ça montait, ça montait. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Et quand on était en train d'adorer, les anges de l'Éternel adoraient avec nous. Quand le peuple, l'homme de Dieu disait, faites comme ça, ils voyaient les anges qui faisaient comme ça, avec les ailes. Alléluia. Et ils étaient vraiment grands, en tout blanc. Alléluia. Et ils étaient présents avec nous ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Acclamez. Quand on a fini, je bénis le Seigneur pour ce bon moment et pour ce merveilleux culte que nous avons passé en sa présence. Alléluia. Et il faut dire que hier, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Papa a dit, quand tu viens dans la maison du Seigneur et quand tu viens maintenant dans l'église où Jésus est, c'est maintenant que ta marche chrétienne commence avec le Seigneur. C'est la vérité. Et c'est maintenant que ma marche chrétienne a commencé avec Jésus. Ça fait plus de 3 jours quand j'ouvre la Bible et que je veux méditer. Voilà le passage sur lequel je tombe. Que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu le chapitre 8, le verset 37. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est clair. Et hier, j'ai payé le prix. Il y a une proposition qui m'a été faite où je dois, entre mon foyer et Jésus, je devais accepter. Mais j'ai accepté Jésus. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. J'ai dit, je ne renonce pas à ce Jésus que j'ai attrapé. Si je dois perdre mon foyer, si je dois perdre toute ma vie, je ne peux pas l'abandonner. Et j'ai confessé le nom de l'Éternel
devant la situation face à laquelle j'étais hier. Et ce matin, je suis venu dans la présence du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, il m'a consolé. Il a consolé mon cœur. L'Éternel est le premier qui a payé notre dot. L'Éternel est le premier qui est notre époux. Si ton mariage, si ton papa, si ta maman, si ton travail va t'empêcher d'aller au ciel, tu vas renoncer à toutes ces choses et tu vas confesser le nom de l'Éternel. Et c'est ce que j'ai fait dans la situation qui m'a été proposée hier. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais l'Éternel a donné gloire à son nom. Alléluia. Et ce matin, quand je venais au culte, j'ai dit au Seigneur, je suis une source de bénédiction. L'argent ne doit pas être un problème pour moi. Alléluia. Quand tu vas me donner l'argent, c'est pour donner aux autres. C'est pour te servir. C'est pour faire du bien. Et quand on vient, Jésus revient, ce n'est pas pour me glorifier. J'ai en charge le transport au moins de 4, de 5 personnes que je dois payer. Et ce matin, quand on venait, il ne me restait plus que 600 francs dans le sac de mon bébé qui est là. Hier, quand j'ai fini le travail, il y avait un billet de 500. Et j'ai pris mon porte-monnaie, il n'y avait que des jetons. Mais les jetons étaient tellement lisses. Et je disais à ma fille, quand on venait, ah, aujourd'hui là, comment ça va se passer? Le transport, le retour. Et tout d'un coup, ma fille qui dit, maman, tu as l'argent dans ton sac. Je dis, j'ai l'argent où? Elle te regarde dans le sac de bébé. Elle ouvre le sac. Je vois un billet de 5 000, un billet de 2 000, un deuxième billet de 2 000 et deux billets de 500. Ça fait en total la somme de 10 000 francs. Gloire à Jésus. Je vous le dis, mes frères. Hier, quand je suis revenu du travail, j'avais seulement un billet de 500 avec le ticket que le chauffeur de la Sotra m'a remis parce que j'ai emprunté un 730. C'est ce qui était ici. Et c'est sur ça que je comptais. Mais quand elle a dit, maman, tu as l'argent dans ton sac, quand j'ai ouvert, et c'était la monnaie, 5 000, 2 000, 2 000, 2 500. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a déposé, c'est Jésus qui l'a déposé. Alléluia. Jésus qui l'a déposé. Il a déposé cet argent ce matin. Et il m'a dit, tu as besoin de ça. Des personnes comme si toi, pour venir ici, voici ce que je te donne. Je bénis le nom du Seigneur. À Jésus revient et à Jésus ici. Que le Seigneur te bénisse. Et que cette porte qu'il a ouverte ne se ferme plus au nom de Jésus. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur Jésus lui-même, il était confronté devant les Sadducéens avec Pierre, qui lui demandait de payer les impôts. Il n'avait pas l'argent dans sa poche. Il n'avait pas de billet de banque. Il n'avait rien. Mais il a dit une chose. Pierre, prends la maison. Va et jette-le dans l'eau. Le poisson que tu prendras de sa bouche, tu vas trouver une pièce en or, une statère. Prends-la et paye les impôts pour toi et pour moi. Gloire à Jésus. L'Esprit de Dieu que nous avons nous donne d'appeler à l'existence par l'assistance de notre Seigneur Jésus des choses qui sont immatérielles, des choses qui ne sont pas visibles physiquement, mais par sa grâce et par sa vertu et sa puissance, il nous les accorde. Non pas parce qu'il n'a pas envie de donner, parce qu'il ne le fait pas de donner sans qu'on ait à appeler, mais il le fait conformément à sa parole qui est notre promesse. Alléluia. C'est pourquoi il est bon de louer et d'adorer Dieu, non pas dans la chair, mais en esprit. Et quand tu demeures en esprit, les choses se font en esprit. Gloire à Jésus. Donc on va terminer, clôturer le culte d'aujourd'hui. On va donner les informations de la semaine. Gloire à Jésus. Shalom, peuple de Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, juste pour... Dieu, attends un peu d'abord que Dieu te bénisse. Bien-aimé, toi, ce n'est pas ton mari. Toi, ce n'est pas ton mari qui te persécute. Toi, certainement, c'est ton père. C'est ta mère. Et tu dois faire un choix. Porter la croix, ce n'est pas acheter une grosse chaîne et puis mettre au cou.
Il se promenait. Portait sa croix. Tu dois accepter Jésus. Mais le Jésus que tu dois accepter, c'est qui veut dire que tu vas renoncer à beaucoup de choses. Toi, tu es marié. Même c'est ce que même le Seigneur me dit. Tu as entendu plusieurs fois ici que la bouche elle, s'est faite pour adorer le Seigneur. Mais comme tu n'es pas tout te mettre dehors, tu vas contre la parole du Seigneur. Tu as renié le Seigneur Jésus. Ah, il va se fâcher. Mon mari va se fâcher. S'il ne fait pas ça, il va me mettre dehors. Donc tu préfères, tu renies le Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, c'est ton travail. Pour toi, c'est ton patron. Bien-aimé, si tu as honte de Jésus ici, il aura aussi honte de toi. Si tu aimes ton père plus que Jésus, si tu aimes ta mère plus que Jésus, l'enfant que tu as porté pendant 9 mois, douleur de ça, ce n'est pas petit. Mais si tu aimes ton enfant plus que Jésus, tu n'es pas digne de rentrer au ciel. Plusieurs fois, le Seigneur te dit, mais quand est-ce que tu vas faire le choix de marcher avec moi? C'est ton travail, c'est ta position. C'est que l'homme de Dieu est...